Restons à Montsinéry-Tonnegrand, où se trouve l'un des rares cimetières d'esclaves, au lieu dit Risque-Tout. Ils furent 150 à être enterrés sur cette habitation qui a été réhabilitée en 2010. Et ce matin, leurs descendants, tous originaires de la commune, ont tenu à leur rendre hommage à l'occasion de ce 10 juin, journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Écoutons le maire de Montsinéry-Tonnegrand, Patrick Lecante, au micro de Thierry Merlin et Sofiane Dey. On doit pouvoir faire en sorte que ce site qui est accessible à l'ensemble des Guyanais, et bien sûr donc des Montsinériens et des Tonnegrandais, puisse permettre donc le recueillement de ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres. Ici sont enterrés les ancêtres des Montsinériens qui étaient esclaves. Donc. Bien sûr, donc les originaires de Montsinéry-Tonnegrande, mais au-delà donc, des grandes familles de cette commune, si vous regardez bien les noms, vous allez retrouver donc des personnes qui aujourd'hui sont dans toute la Guyane. Et c'est ce signal que nous avons voulu faire à travers donc, cette stèle où nous avons pu mettre donc, tous ces anciens noms que l'on retrouve finalement et avec un souvenir donc, éternel pour ces personnes.